Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur There Is No Game, un jeu que vous m'avez conseillé en masse, notamment juste j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Vous m'avez surtout trollé, voilà, parce que c'est un jeu en français, du coup vous m'avez dit voilà, comme ça, pour une fois tu t'en sortiras. Mais je vous bête. C'est parti. Alors, apparemment le but du jeu c'est qu'il n'y a pas de jeu, voilà. Pas un jeu de camion. Ah ok, d'accord, le mec il va à fond dans le délire. Probablement pas fait avec Construct. Ah c'est drôle, attends, arrêtez de me juger. There Is No Game. Hello user. Ah, la voix est en anglais, mais c'est écrit à l'écran, donc je vous laisse lire. En fait, il n'y a pas de jeu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Bah, vu le nom du jeu, je me doutais qu'il n'y avait pas de jeu, en fait. Après, vous pouvez toujours regarder la télé, sortir. Arrête. Allez, on a trouvé un truc. Allez, ça dégage, tais-toi. Voilà. Voilà, putain, c'est génial comme idée. Vous venez de ruiner le titre. Je te baise, remettez la lettre. Come on. Ta gueule, hé, tu me donnes pas d'ordre, ok? Non, mais oh. Bah, je peux pas la remettre, ça marche pas, mon gars. Je ne peux pas la remettre, ça ne marche pas. Et si je la mets là? Tereos Endgame. Ou alors, there is. Ou alors, on arrête cette blague. Alors, ça fait. Oh, regardez, y a un petit truc qui tombe de là-haut. Ah, bah, ok, dès que ça descend, ça fait tomber le truc. Allez, on t'a vu, on a vu clair dans ton jeu, mon gars. T'es foutu? Ça dégage. Oh, le. Oh, on va pouvoir le buter, c'est sûr. C'était horrible. Je sais, mais on adore la chose horrible. J'ai une voix, vous savez? Ouais. Et une voix sans voix, c'est comme. Death. La mort. Un oiseau sans ailes. Une salle de bain sans cabine de douche. Un Squeezie sans une coupe de merde. Du coup, faut faire quoi? Moi, je veux être gentil. Je veux pas. Parce que là, on le fait chier, apparemment. On veut juste être gentil. Faut mettre ça pour casser ça. Voilà, je pense vraiment à trop de trucs. Vous essayez de me tuer. Ok, j'ai compris. Oh merde! Oh l'enfoiré! Je vais attendre là. C'est un cercle qui se répète. Juste à attendre un endroit et à cliquer. Non. Ah, je vais t'avoir. Oh, allez! Ça suffit maintenant. Tu vas faire quoi? Hein? Oh non, il a mis une pancarte dessus. L'enfoiré. Désolé, je n'ai pas usé de ce genre de procédure, mais je n'ai pas eu le choix. Non mais t'es un barbare, y a aucun problème. Et là, on va péter la truc. Voilà, ah, vous voyez. J'avais vu dans l'avenir. Demande à Superman pour celle-là. Il a carrément de la kryptonite dans le doute. Tu ne sais pas qui je suis, jeune robot. Je suis Superman. Il fait pas ça, Superman. En tout cas, c'est super marrant comme principe d'interagir avec ce mec. Bah ça va le péter, je pense, si tu fais ça. Ah non, vraiment pas. Ah bah voilà. Ouais. Ah, ça casse le jeu, ça va, le non-jeu. Mais oui, allez-y, détruisez ma vie. Attends, calme-toi. J'espère que vous allez nettoyer avant de partir. Bah, mais c'est toi qui as mis une plaque de titan qui fait 2 tonnes aussi. Faut cliquer sur ça. C'est des vis. Avec la visseuse boche, on peut. On s'en souvient. Ah, je dévisse le jeu, putain, c'est fou. Ah, bah alors, il paraît qu'il n'y a pas de jeu. Bah, si, regarde, mon gars. Il y a un jeu. Oh, on est en train de le faire exploser, le pauvre. Wouh! Sortez d'ici. Non mais voilà, on a trouvé un jeu, donc si vous jouez, ils vont venir. Qui? C'est le chien de ma grand-mère, sans blague. Allez, on joue, c'est parti. Arrêtez de cogner les briques. C'est quoi ce délire? Je dois trouver un moyen de vous arrêter. Mais tu pourras pas, mon gars, on est trop malin. Ah, j'ai une idée. Non? Oui, peut-être alors. Plus aucune balle, nulle part. Bah si, on a une là, regarde. Hop là, voilà, j'en étais sûr. Allez, je ne me sens pas bien. Mais arrête, on a trouvé ce que tu cachais, c'est tout. Il se donne un style, il dit que c'est pas un jeu alors que c'est un jeu. Bah voilà, c'est quelqu'un de faux. C'est... Oula, 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 oh putain. On a touché un organe vital? Ils sont là. Les bugs. C'est génial. De toute façon, avec Windows, on est habitué aux bugs, hein. Bill Gates. Vous avez trouvé un moyen de nous sortir de là? C'est un désastre. On fait quoi? Comment je vais venir un succès commercial avec tous ces bugs, moi, maintenant? Qu'est-ce qu'un développeur ajouterait pour vendre une création toute buggée? Je vois trois possibilités. Des supermanas armés jusqu'aux dents, des tonnes de zombies, ou bien une... chèvre. Je sais pas comment essayer de trouver l'une de ces trois choses. Ok, on y va, c'est parti. Avec la coupe, on fait quoi? Elles sont où les lettres? There is a goat. Voilà. Ah non, on n'a pas de A. Ah si, on a un A. Oh. Alors, ça va faire apparaître une chèvre, c'est ça? Oui. C'est génial comme jeu, c'est vraiment génial. Apparemment, la cage est verrouillée. Vous devez trouver la clé. Ah, viens là. L'écureuil volant l'a prise. Vous devez la récupérer. Ça n'a aucun sens. Il faut trouver quelque chose pour monter, pour grimper. Ça me rappelle mon enfance. J'ai escaladé un immense arbre dans le jardin pour récupérer je sais pas quoi. Oui, j'ai eu une enfance. Ah bah non, mais regardez, on va mettre toutes les lettres comme ça. Non. Je cherche une échelle. Ta gueule. J'ai la sensation que vous êtes coincé, non? Peut-être que vous ne parlez pas viking et vous cliquez partout aléatoirement depuis le début. Non. Il nous a grillé, putain, il est très malin. Bon, elle est où l'échelle? Habla espagnol. Si, señoritas, comment est-ce que ça? Vous parlez peut-être le français? Oui, je parle le français. Bonjour, le France. C'est génial. Ah ouais, il y a de quoi faire un arbre, putain, autant pour moi. Voilà, parce que je parle très bien anglais, finalement, on peut le dire. Ouais, attends, mon gars, faire un arbre plus grand, quand même. De l'engrais, allez, on trouve de l'engrais. Faut qu'on utilise les besoins de la chèvre en engrais. Comment on fait grandir cet arbre? En lui tapant dessus. Avec la coupe.
Vous avez vu? C'est exactement ce à quoi on s'attendait. There is a Game of Thrones. There is a mort. Enfoiré, t'es mort. Mais comment on fait pousser cet arbre? Ah, voilà, ok. Ah non, putain, j'ai cru que ça a fait grandir la coupe. Je suis peut-être un peu pompette, hein. La seule coupe que j'ai vue, ça devait être une coupe de champagne. Moyen ce jeu de mots. Ça se trouve, faut juste le prendre et l'élargir. Hein. Un peu comme un élastique. Comme un moustique. Un pic. En un ou deux clics. Là, je l'astique. Il nous faut peut-être un stylo bic. En tout cas, cet arbre, il est pas sympathique. Vous êtes pas content? Eh ben, je vous nique. Oh, je suis super lourd. Alors, comment on fait pousser cet arbre à la fin? Oh, ah, si, regardez, la chouette couleur. Ok, faut la remplir d'eau. Oh, voilà. Allez, grandis. Voilà, pousse bien, s'il te plaît. Allez, grandis, grandis. Voilà, on peut monter là normalement. Salut, jeune écureuil. Qui casse bien les steaks. Oh, je voulais le faire exploser, mais ça n'a pas marché. Alors, comment je prends la clé? Il lui faut. Ah là, il y a un petit gland. Regardez comme il est con. Il aurait pu l'avoir lui-même et garder la clé en plus. Et si, Marmac, je défonce. Bah, la clé. Wouah, c'est bien. Sinon, je sortais mon Broly. Non, la chèvre était un mensonge. Un mensonge, mais quoi? C'est de pire en pire. Mais excuse-moi, moi, j'ai fait ce que tu m'as dit. Encore plus de bugs. Je me noie. Au revoir, moi, je m'en fous. Je suis bien, moi, je m'en fous. Oh, je croyais qu'il était mort. Dead. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Tout a disparu à part moi. C'est quoi le délire là? Moment confession. Je vous ai mis en danger. C'est entièrement ma faute. S'il vous plaît. Vous me pardonnez? Pardonnez de nous avoir entraînés dans cette histoire? Il me faut des larmes, je suis triste. Je sais pas. T'as trop joué au con, Carlos. Je sais pas si on peut te pardonner. T'as vraiment fait nawak! Carlos! Je t'aime. Je te pardonne. Oh, vraiment? Quelle bonne nouvelle! Je sais, Carlos. Peut-être pouvons-nous devenir amis? Peut-être, Carlos. Non, c'était pas une bonne idée. On va vite s'ennuyer tous les deux. Mais non, mais pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de jeu. There is no game! Carlos! J'avais confiance! T'es qu'un con, Carlos! J'ai inondé mon bureau! Bon, et bah voilà les gens, c'est déjà pas de cette vidéo sur There is no game. N'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu. Bah écoutez, merci de m'avoir conseillé ce jeu parce que. Enfin, ce non-jeu. Parce que. Il était en français. Le reste s'en fout. Non, sans rien, j'ai trouvé ça super original et bien foutu. C'était hyper cool. Puis en plus, c'était en français, donc je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, peace.